Bonjour les amis, ça ce sont les aléas du direct. Je suis avec Roger Victor Moukeba qui est en ligne depuis l'Afrique Sud. Avec lui, nous allons devoir décortiquer les procès Caméré, voir comment ça s'est déroulé. Monsieur Roger, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pierre. D'emblée, quelle est la réaction à ces projets, à ces procès de Caméré? Il m'a semblé que Caméré n'était pas agité avec son comportement de Vatangé, avec son comportement de chef. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est un comportement qui est tout à fait normal. Oui. Mais je voudrais tout simplement inviter M. Caméré, en fait, les avocats de M. Caméré, de lui prodiguer un petit conseil. Parce que avant de parler de ces procès, comment ça s'est passé brièvement, c'est juste une observation. Oui. Parce que c'est en parlant beaucoup qu'il a été, il a été piégé par l'officier du ministère du Bico lorsqu'il s'est présenté d'abord en tant que non seulement le directeur de cabinet, mais aussi le superviseur. Aussi le superviseur. Donc, il y a certains termes qu'il faut éviter parce que ce sont ces termes qui vont se retourner contre lui. Pourquoi est-il le superviseur? Parce que nous savons que d'abord, les travaux de 100 jours, c'est un programme qui a été élaboré par le chef de l'État, approuvé par le chef de l'État lui-même. Et il fallait qu'il y ait un superviseur de cela. Et lorsque Caméré essaye de rejeter, puisque dans l'audition, il a essayé de dans l'instruction préjudicielle, il avait été rejeté cela. Et ici, curieusement, il l'avoue sans pourtant savoir qu'il était devant, n'est-ce pas, le gens du métier. Bon, c'est une observation que j'ai faite, donc il ne doit pas être trop agité et puis trop orgueillé. Je crois que ce sont aussi des éléments qui peuvent concourir, n'est-ce pas, comment je dirais, s'il faut savoir que la personne peut collaborer d'une bonne manière avec le tribunal ou pas. D'emblée, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, c'était, si vous voulez, la comparution de M. Vital Caméré Consort au parquet de grande instance de Kinshasa Gombe, chambre foraine, il y a la prison de Makala, et on est passé par la présentation, si vous voulez, de ces témoins, de ces prévenus, M. Vital Caméré, M. Djamal et M. Jeannot Mouima, qui est, je crois, qui travaille, qui s'occupe d'import-export, n'est-ce pas, dans le cabinet du chef de l'État. Dans le cabinet du chef de l'État. Et puis, on est allé, on a commencé par les exceptions, parmi lesquelles il y a les avocats de M. Caméré qui ont fait une observation de l'exploit qui doit être considéré par le tribunal, qui doit nécessairement être en leur possession, mais... selon eux, cet exploit-là est date du 29/04/2020. Alors qu'eux, ils ont celui, n'est-ce pas, de 25 avril 2020. Donc je crois que c'est quelque chose qui sera, on tiendra compte de cela. Nous avions suivi encore une exception venant de la part de la République, c'est-à-dire du parquet qui est pratiquement l'organe répressif qui est font les intérêts de l'État, qui soit engage l'État, qui cherche les infractions et pour les réprimer. Nous avions suivi
que la République a soulevé cette observation, soi-disant que monsieur l'avocat maître Raphaël Nabirungu, qui est pratiquement l'avocat de la République du Congo, donc qui s'occupe de cette qui est attaché à la DGDA, et Kabila Mwana Kabila, qui est pratiquement qui serait membre du cabinet du président de la République, que pour cause de déontologie professionnelle, ils ne doivent pas, n'est-ce pas, représenter la partie opposée à la République. Sinon, ça sera la République qui détruit la République. Mais on dirait qu'il a nié cette qualité de conseiller à la présidence. Oui, oui, il l'a nié. Il a dit que s'il y a des preuves, mais je crois qu'il y a un comité de discipline, conseil de discipline, qui doit pratiquement s'occuper de cela. Et ici, n'empêche que le juge président puisse, n'est-ce pas, faire appel à la jurisprudence du procès électoral qui s'était passé entre Kabila et M. Bemba à l'époque, où nous avions vu un membre du cabinet du président de l'ancien président Kabila être son avocat. Donc c'est passé, et puis n'est-ce pas à l'instruction ou à la lecture du réquisitoire a venu, et là nous avions constaté que le ministère public il a fait la lecture et il a retenu à la charge de M. Kéré et consort, au suivant, tournement des deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux et corruption avérée. Donc, il a fait cette lecture que nous suivons, mais avec le temps, nous allons pouvoir entrer avant, si vous voulez. Monsieur Roger, quand ils disent qu'ils vont se réunir en chambre de conseil, cela veut dire quoi? Oui, je vais expliquer parce qu'ici, les avocats de prévenus, ils ont soulevé une observation, soi-disant qu'ils avaient introduit les requêtes de demande de liberté provisoire, ce qui n'a pas été accordé. En fait, il n'y a pas eu de suite. Et si, parce que les deux prévenus étaient, un seul est en liberté provisoire, c'est M. Jeannot Mouima, et les deux autres ne sont pas en liberté provisoire, ils sont comparus en tant que détenus. Alors, pourquoi est-ce qui est Jeannot Mouima? Jeannot Mouima est qui par rapport à l'affaire? Mouima, il est celui qui était chargé d'aller, si vous voulez, dédouaner. Dédouaner les maisons préfabriquées, il aurait un montant d'environ 1 154 800 dollars américains pour aller dédouaner. Voilà, pour évidemment, c'est ça, c'est celui-là. Et voilà, c'est ça. Alors, je disais que d'abord, pour assurer un bon procès, un procès équitable, bien sûr, selon l'article 74 du code pénal, du code de procédure pénale, il faudrait permettre aussi aux avocats de la partie défendresse, n'est-ce pas, d'avoir accès à certains dossiers que posséderait le ministère public, ce qui est tout à fait correct, parce que le procès ne peut pas être équitable si le droit de la défense n'est pas assuré. Oui, voilà, c'est un peu ça. Et nous avions suivi avant d'entrer, de parler de chambre de conseil. Bon, je voulais juste soulever un point ici, que lorsque le ministère public a fait la lecture du réquisitoire à prévenu, il l'a associé à ces infractions, n'est-ce pas, la peine qu'il encourt, c'est-à-dire lorsqu'il parle du code pénal, livre 2, article 145, 149, ce sont des peines que peuvent encourir ces gens lorsque leur culpabilité est établie. Voilà, c'est un peu cela. Alors, je disais que nous avions suivi M. Kamere, qui a la question de savoir en quelle qualité avait-il agi, n'est-ce pas, dans l'exécution des travaux de chambre 100 jours. Il a dit qu'il est le directeur de chef de le directeur de cabinet, le chef de l'État. Donc il agit
au nom du chef de l'État, et il a souligné quelque part qu'il était aussi le superviseur, mais il n'était pas seul. Ils étaient au nombre de 9. Oui, il y avait le professeur Ibarande, il y a le ministre des Finances, il y a le gouverneur de la Banque centrale du Congo, il y a le ministre du Budget de l'époque, je crois, de Bas, il y a aussi les représentants de la Prémature, aussi, disons, et il a insisté que la coordination était chapeautée par Nicolas Kazadi. Vous en souvenez que Nicolas Kazadi a été aussi invité. Il avait donné sa déposition. Oui. Je crois que peut-être il ne s'est pas concerné ici parce que la supervision de Nicolas Kazadi consistait tout simplement à descendre sur le terrain, voir ce qui s'est fait, coordonner et tout ça. Mais du point de vue sur le plan financier, qui avait un mot à dire, c'est lui qui donnait, qui dénichait l'argent, plutôt, qui donnait l'autorisation qu'on puisse, disons, mettre l'argent en jeu, c'était M. Kamere. Alors, on a renvoyé la procédure, disons, le procès au 25 mai, pour la poursuite, pour la poursuite, n'est-ce pas, de procédure. Mais pourquoi la chambre de conseil? Parce qu'on a demandé sur place, comme je l'avais dit l'autre fois, que Kamere ne pouvait pas aller en liberté provisoire jusqu'au 11, ok? Parce qu'ici, il était devant le juge répressif, ok? Et maintenant, il faudrait qu'on puisse créer une chambre de conseil spéciale qui doit examiner à fond les dossiers pour la remise en liberté de ces gens-là. C'est ce qui s'est fait parce que vous savez que lorsque l'affaire est fixée, donc le parquet, il n'a plus de problème, le problème reste au niveau de tribunal. Et maintenant, on organise, on décrète une chambre de conseil spéciale pour pouvoir examiner à fond les dossiers de la remise remise en liberté de ces, ces prévenus qui sont en détention. C'est ça la nécessité ou la mission de cette chambre de conseil. Je crois que c'est juste pour cela. Ok, là je profite de l'occasion pour saluer nos amis qui nous joignent. Nous avons mon ami Olivier Mouchipay qui nous suit depuis Georgia, Atlanta. Il y a aussi le président Zaza Kandou Jean-Pierre, le président d'Asso Fachi International, les cordons. Roger, j'ai une question ici. Pourquoi est-ce que M. Kamere ne répond pas à une question directe? On lui pose la question en quelle qualité il venait. Il veut leur dire que vous savez dans quelle qualité je suis. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on se comporte devant un tribunal? On dirait qu'il comparait comme directeur de cabinet et pas comme caméra accusé. Bon, je crois qu'il comparait comme d'abord il est un prévenu et puis il est accusé comme étant le superviseur de ses activités, de ses travaux du programme de 100 jours, mais ce superviseur, c'est qui? C'est le directeur de cabinet du président Félix. Bon, je crois pour ma part que M. Kamere doit rester beaucoup plus modéré, il doit rester beaucoup plus pacifique. C'est quelque chose c'est une observation que ses avocats doivent lui faire, de manière à ce qu'il puisse répondre aux questions de la manière qu'on les lui pose. Parce que lorsqu'on lui pose la question de savoir, es-tu intervenu comme qui? Il commence à dire tout ça. Je ne pense pas que c'est cela. Vous savez, celui qui a la vérité n'a pas peur. Celui qui a la vérité, il n'a pas peur. Il doit être calme. Il doit vraiment être à l'aise. Et il va prouver son innocence, n'est-ce pas, au cours de ce procès. C'est pourquoi je disais que je voudrais que le pouvoir judiciaire puisse se servir, n'est-ce pas, de ce procès pour inaugurer sa nouvelle ère de justice indépendante, sa nouvelle marque, et surtout reconquérir aussi la confiance des Congolais. Et à M. Kamere, il doit en saisir l'occasion pour faire peut-être ce que Zuma avait fait l'autre fois lorsqu'il a été accusé, et puis il est sorti victorieux.
Oui, avec une tâche, bien Pour sûr. faire le marché. Oui, Voilà. avec une tâche, bien sûr. Vous vous rappelez du procès Zuma, quand on lui dit C'est qu'après ça. après avoir couché avec la femme, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai pris une douche. C'est que c'est la phrase qui Voilà. a. La phrase qui est célèbre dans la presse sud-africaine. En tout cas, Je crois que c'est un peu cela. ciao. Ouais, c'est un peu cela. C'est un Il procès faudrait, intéressant, oui. comme je le disais, que ce procès aura beaucoup de ramifications. Oui. Bon, nous, on s'attendait à ce qu'ils disent qu'ils n'étaient pas seuls, ils supervisaient avec les présidents républicains. Bon, comme cela, c'est dans les réseaux sociaux, mais je suis étonné de voir qu'il n'a pas cité ce nom, plutôt les gens qu'il a cités. Ce sont les gens qui étaient dans l'équipe de la supervision, parce que dans l'équipe de la supervision, tout le monde ne joue pas le même rôle. Parce qu'ici, il s'agit de détournement des deniers Des publics. publics, Okay? oui, les Il ne fonds de s'agit l'État, pas de la oui. supervision, mais il s'agit de détournement des deniers publics. Quand il y a enrichissement illicite, nous avions vu des sommes d'argent qui ont été récupérées dans des activités illicites, de vol, de corruption, tout ça. On prend ces sommes d'argent. On va soit les envoyer ailleurs pour dissimuler, si vous voulez, les traces, effacer les traces, n'est-ce pas, de détournement et consorts. C'est pourquoi ces gens, comme Jamal, il est accusé d'enrichissement illicite. Et c'est un peu cela. Concernant, par exemple, je vais prendre un aspect des choses beaucoup plus concrètement. Si lorsque nous parlons de détournement de deniers, prenons le cas des logements sociaux. Je m'en souviens que ce programme, c'est un programme qui a commencé avec le gouvernement de Tshibala. On devrait, en principe, fournir, si vous voulez, plus de 900 maisons pour à raison de 100 maisons par province à l'époque. Mais ce programme demandait environ 26 millions, selon ce que nous connaissons, 26 millions de dollars. Et ce programme n'a pas été exécuté quand M. Kamere est Roger, venu. avant qu'on entre dans les détails, plantez un peu le décor sur les accusés, parlons sur Jamal, avant qu'on entre dans les détails. Comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de Jamal aujourd'hui? Bon, je crois que le monsieur, il joue à la victime. Oui. Hein, j'ai constaté qu'il joue à la Il se victime parce que, victimise. ouais, c'est victimisme. Parce que le fait que je vais essayer un peu de retracer ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu corruption, parce qu'il y a eu passation des marchés de gré Marché à de gré gré. à gré, oui. Vous avez vu, il y avait l'intervention de Madame Soraya. Hein, donc, c'est pourquoi la corruption est entrée là-dessus pour les passations influence et consorts, pour que Jamal puisse récupérer le marché auprès des caméras. Voyez un peu ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire, moi, je viens, je passe par votre femme, par exemple, ou par quelqu'un d'autre Votre que vous enfant, tout connaissez. ça, oui, qui est lié à vous. Voilà, je lui donne ceci, je lui donne cela, voilà, je prends ma parcelle ici à un prix modique, comme ça tu peux intervenir pour moi auprès de Blaise pour que je puisse avoir un peu ce marché-là. Vous Une voyez, ça n'est faveur, pas. Donc, il n'y a pas, oui. évidemment, il n'y avait pas eu respect, n'est-ce pas, de la loi portant passation de marché public. Donc, il n'y a eu pas respect à ce niveau-là. Bon, alors, M. Jamal est en train de se victimiser pour rien. Donc, il doit rester calme et prouver. Vous savez, dans ce procès, M. Jamal doit se démarquer. Il ne faudrait pas qu'il fasse équipe ensemble avec M. Kamere, parce que M. Kamere va vouloir, disons, reprendre, tirer la couverture de son côté pour Oui. qu'il puisse s'en sortir. Comme il continue à dire que la République lui doit l'argent, mais la République reconnaît avoir sorti ici près de 50 millions, donc 48 millions, 800, tout ça de dollars pour ce problème des logements sociaux, que la République a déjà sorti l'argent. Mais Jamal, peut-être, n'était pas à possession de tout cet argent qui lui était dû. OK. Où serait cet argent? C'est à lui maintenant de convaincre l'auditoire que voilà cet argent, moi je ne l'ai jamais reçu, voilà l'argent que moi j'ai reçu. Mais s'il a reçu sur avec cette histoire de surfacturation, non, voilà, c'est autant. Toi, tu mets autant. Lorsqu'on donne autant, moi, je vais récupérer autant. C'est ici que j'avais ouvert cette parenthèse. Je disais qu'il y a eu au moins 9 maisons qui ont été commandées pour, n'est-ce pas, pour, ouais, fait, pour ce programme de logements sociaux, bien sûr, avec l'ancien gouvernement. Et quand ils sont partis, 9 ça a été 900 récupéré. 9 ou Hein, 900 900. 900 oui, C'était 900 d'abord OK 900 avec C'était Bitakwira d'abord 900 avec le oui gouvernement Tshibala. avec Voilà. Bitakwira oui oui
avec Félix Tshisekedi, bon, comme le Gomet était sortant, Kamere s'était, disons, mise à l'exergue pour pouvoir prendre la charge. Voilà. C'est l'exécution de ces travaux-là. Oui, oui. Il s'est vu avec Damal pour les commandes de 1500 maisons. De 1500 maisons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les montants étaient quittés, 26 millions pour 57 millions de dollars. Voyez un doublé en quelque sorte le montant, oui. Voilà, vous allez voir un peu quelque chose qui ne va pas marcher là-dessus. Lorsque vous prenez 1500 maisons, vous prenez 57 millions de dollars, divisé par 1700, par 1500, vous allez trouver que c'est dans le 39 000, hein, comme ça. En fait, un peu ce calcul, vous allez trouver ça. Une maison préfabriquée à ces montants-là, vraiment exorbitant. On y va mollo-mollo. Et ils ont dit par après que non, non, avec les 1500 maisons, ça n'ira pas. Pourquoi ne pas en faire 3000? OK? Pour les 1500 maisons, les montants de 57 millions. Et pour les 3000, Kamere dirait à Félix Tshisekedi que non, M. Jamal aurait accepté avec le même montant de 57 000, il peut doubler la commande à 57 millions. Donc, vous comprenez? Comment va doubler? C'est que le prix n'était pas correct, voilà. en premier lieu. C'est ça, c'est là où nous allons démontrer qu'il y a eu surfacturation. Vous allez comprendre ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce le gouvernement Tshibala, Bitakwira, ou ce... Non, non, ce sont c'est la supervision des caméras. Vous allez vous rendre compte que les contrats qui a été signé avec l'entreprise de M. Jamal était l'acquisition de marché, ok, c'était le point 1, l'acquisition de marché, 2, le transport de marché, 3, la livraison de la construction, voilà, un peu la construction. Là, parce que lorsqu'on construit, on les livre, parce qu'on on doit acheter les maisons, on doit les transporter, on doit les construire et les livrer à l'État. Vous comprenez? Ça, c'était ce qu'on appelle les clauses du contrat. Vous comprenez? Et il était dit que tous ces frais seront couverts dans le 57 millions. Même les dédouanements. D'ailleurs, à ce qui concerne les dédouanements, je crois que M. Kamé avait demandé l'exemption, comment on appelle ça? L'exonération à la douane. L'exonération, voilà, merci beaucoup. Les gens sont devenus beaucoup plus anglophones. Il avait demandé l'exonération. Oui, oui, je vous comprends. Oui, le, nous avons le même cas, tous, d'interférences linguistiques. Vraiment. Je vois les termes français tardent à venir, pas. Oui. Le message passe quand même, oui, c'est bien. Il avait demandé l'exonération des frais douaniers. C'est-à-dire qu'on ne va pas payer la douane. Et les ministres des Finances auraient accepté cette proposition-là et se serait accordé. Oui, pour aider le gouvernement. Maintenant, en entendre M. Jamal, il dit, on lui pose la question, il reconnaît qu'il a déjà entendu parler de ce point de 100 jours, n'est-ce pas? C'est une question qui est juste posée, hein, parce que cela va permettre aux avocats de comprendre, d'évoluer un peu dans le dossier, et cela va permettre aux juges d'avoir aussi certains éléments qui seraient un peu flous. Okay. Mais M. Jamal continue à dire que, est-ce que je pouvais fournir les 1500 maisons dans 100 jours. Mais et pourtant, lorsqu'il a signé le contrat, c'était pour respecter ce contrat dans 100 jours. Il y a eu d'abord une mauvaise de confiance là-dessus. Voilà. Donc tu acceptes quelque chose, tu ne seras pas en mesure de faire. Et il se dira que non, comme Kamere dit que non, le logement, les maisons sont à l'hôpital, le logement, les maisons sont en Tanzanie. Non, mais tout ça, quels étaient les contrats que vous aviez signés avec l'État congolais? Ils ont pris le président Mbourik. Et puis, lorsqu'on fait la part des choses, nous allons constater qu'on ne peut pas arrêter saisir les histoires d'un État. D'un État, oui. Par exemple, la Tanzanie saisit cela, soi-disant que ce n'est pas des douanes. Non! Non, mon frère, lorsque moi et vous, nous signons un contrat d'achat de véhicules. Roger, tu es à Johannesburg, tu m'achètes un véhicule, la tête à Durban, tu m'amènes ce véhicule au Congo. Tu mets en disposition tous les frais. Voilà. Je vous dis que la voiture coûte 3 000 dollars. Le frais pour mettre ça sur le carrier, c'est
$500 jusqu'à Tchirundu. De Tchirundu jusqu'au Congo, c'est 200 à $300 pour certains documents, autres carburants et chauffeurs. OK? Et moi, je vais, dois t'amener ce véhicule selon la période convenue entre moi et toi, l'échéance convenue entre moi et toi. Mmh. Et lorsque ce véhicule se trouve être toujours au niveau de Tchirundu, soit disant que non, on doit dédouaner, non, je ne sais pas comment ça peut arriver, mais là, il y a déjà mis des confiances. Mmh. Et là, si je ne vois pas la chose, mais moi, je vois que c'est un détournement, tu as détourné l'argent que j'avais mis en jeu pour la seule et ces choses-là. Mmh. Vous voyez ça, ça, c'est un exemple banal que je donne tout simplement. Donc, je crois que M. Kamere n'a pas raison là-dessus. Oui, il n'a pas raison. Oui, oui. L'État a besoin de maisons parce que l'argent a été débloqué pour que ces maisons soient acquises mmh. par l'achat, mmh. soient transportées, construites et livrées à la population. Yeah. Mais du moment où ces maisons ne se font pas voir mmh. durant la période d'échéance que nous sommes convenus, convenu, oui. mmh. je ferai quoi? Je vais commencer d'abord par saisir, à me rendre chez le monsieur qui a eu le contrat mmh. d'amener, de livrer ces maisons. Et puis, quand le monsieur me dira que non, moi, j'ai fait ce qu'il me fallait, il semble que vous, vous me devez encore. Mais l'État s'est dit que non, moi, j'avais déjà sorti tout l'argent que vous m'aviez demandé. Pourquoi les 48 millions, alors qu'on les reproche de 48 millions, alors que le montant s'équivalait à 57 millions. Mmh. On constate que les 48 millions n'ont pas fait le travail, mais le 9 millions ont été utilisés. C'est ce qu'on a vu sur le terrain, que le 9 millions ont été utilisés, mais les 48 millions ne se font pas voir, parce que ça a été débloqué, mais on n'a pas la traçabilité de cet argent, parce que... L'argent a été rendu liquide, ils ont soutiré tout l'argent, parce que j'ai entendu... l'accusateur, comment s'appelle la cour en termes juridiques, c'est quoi le ministère public, voilà. Le ministère public, voilà, oui. Il a dit que l'argent a été touché, caché, hein. Ils ont pris l'argent liquide. Oui. C'est qu'il y a une violation, oui, des droits de business, aussi le transfert d'argent au Liban dans un compte au-delà de 10 millions de dollars. C'est qu'il y a que dans le détournement là, il y a du manger, à manger, à boire. Voilà, mais c'est ça même le problème de blanchiment des capitaux. Mmh, c'est ça même le blanchiment des capitaux. Mmh. Vous comprenez? Mmh. Pour entretenir le terrorisme et consorts. C'est là où il y a un problème très sérieux. Oui, Monsieur Roger, en termes de douane, les choses se passent comme ceci. Ils ont dit qu'ils auront 4 points d'entrée. Kasumbalesa, oui, Lobito, Dar es Salaam pour le Kivu, et puis Lobito pour le Kasai, Matadi pour Kinshasa et Matadi. Vous savez que, oui, quand vous avez un consignment, une cargaison qui est grande, la cargaison va faire 21 jours, je pense, de la Turquie à, oui, tous les coins, c'est pas moins de 3 semaines. Alors, ce qui est correct, les déclarants douaniers, en principe, dans la régulation douanière, ils font tous les frais. Avant, ouais, ouais, que même la Tanzanie ne puisse permettre à ces conteneurs-là d'accoster. Ils ont déjà les bill of lending, le travail est déjà fait. Donc ça se fait au hasard. Ouais. Vous comme à Tchirundu, par exemple. Avant qu'un... Même à Tchirundu, là, voilà. Nous sommes dans la politique de guichet unique. Voilà. Dans les trucs de commerce, à tout ça, ça peut se régler automatiquement. Ici, voilà. S'il faut dédouaner ça, ça peut même se faire même au niveau du Congo. Voilà. On peut au Congo, tout se fait automatiquement. Donc, les informalités qu'ils ont créées à dessein pour leur profiter, vous voyez un peu, c'est qu'à faire penser que les Congolais disent. J'ai entendu un débat hier, quelqu'un m'a dit que quand Kamere voulait, Kamere savait que Tshisekedi ne va pas durer très longtemps. C'est donc ça. Donc si moi, mon amour est Koleka, on va les faire sortir d'une façon ou d'une autre. Maintenant qu'on est arrivé au-delà du... Voilà. Pour les campagnes de 2023. Voilà, on est au-delà d'une année, même la fille d'autrui est citée, hein, une fille, une jeune dame, Daïda Mpiana, c'était, oui, dans une affaire qui n'a pas la tête ni queue. Vous voyez, une affaire d'enrichissement illicite avec Jamal qui dit qu'il ne connaît pas Kamere. Donc, quelque part là, ils sont en train de jouer au juridisme en quelque sorte. Non, c'est un mauvais conseil de, oui, la part de ces avocats. C'est un mauvais conseil parce que lorsqu'il nie, il ne sait pas que cela aura des conséquences. C'est un suicide, oui. Très compliqué. S'il ne le sait pas, parce qu'on note tout ça.
Hein, c'est pas pour rien que le ministère public s'est levé pour dire que je voudrais que le greffier note cela, qui n'était pas seulement le directeur de cabinet, mais aussi le superviseur. Superviseur de travaux. Ah oui, oh, je comprends où on l'a mené. C'est très très important. Alors, et ces gens, donc, qui n'ont pas été bien conseillés, et je crois que le temps qu'ils ont sollicité de 2 semaines, ça pourra leur permettre, n'est-ce pas, de pénétrer les dossiers. Oui, et puis de savoir comment être en contact permanent avec leurs clients. Et cela permettrait qu'au 25, le procès puisse se dérouler d'une manière que je dis équitable. Et surtout que ça soit vraiment un procès très important. Donc, je crois que pour ma part, c'est un procès très important à ce qui, dans la mesure où ça va donner, si vous voulez, un exemple, n'est-ce pas, aux gens qui ont toujours tendance à confondre leur poche avec le trésor public et utilisent l'argent de l'État comme bon leur semble, ce qui n'est pas tellement correct. Je crois qu'il faudrait que le ministère public puisse vraiment avoir toute la pièce à conviction pour pouvoir démontrer à la face du monde que le prévenu le prévenu Kamere, Jamal et l'autre, leur culpabilité est établie et que les peines qui doivent pour que les peines soient vraiment lourdes, que cela permette que prochainement les gens ne jouent plus avec l'argent de l'État. Roger Benavo, pourquoi j'ai eu l'impression que Kamere tient modicus aux ses fonctions du directeur de cabinet. Il a dit que j'ai une tâche importante à remplir, je vais en terminer et rentrer à mon travail. Vous pensez que c'est encore une probabilité que Kamere rentre encore dans le cabinet du chef de l'État comme directeur? Mais moi, je pense que s'il est blanchi, qu'il n'a pas volé, il n'a pas détourné, je crois que ce sera encore une très bonne chose pour lui parce qu'il va rebondir. Ça sera ce qu'on appelle le comeback. Hein? Alors, ça le fera beaucoup plus du bien. Il peut occuper encore parce que jusque-là, le président de la République n'a pas nommé un nouveau directeur de cabinet. C'est plutôt son adjoint qui assure l'intérim. Alors, je crois. Oui, je crois que cela ne poserait pas un problème, d'autant plus qu'ils sont dans le, comment on appelle ça, dans une coalition pour le changement. Et c'est tout à fait correct qu'ils puissent revenir si jamais il était innocent, si jamais le tribunal établissait son innocence. Et il peut retourner en tant que chef de l'État. Cela dépendra tout simplement de lui et de son partenaire politique, Vixa. Voir si possible ou pas continuer ou parce que c'est il doit en saisir l'occasion pour démontrer à la face du monde qu'il n'est pas il n'est pas un détourneur, mais Kamere en tant qu'intellectuel, il ne doit pas s'embourber, il ne doit pas chercher à créer des confusions, il ne doit pas chercher à s'enorgueillir beaucoup plus. Je ne pense pas que cela soit vraiment correct. Il doit être à l'aise, il doit donner du temps au temps, répondre à la question comme elle est posée, au lieu de chercher à contourner la question, dire des choses, beaucoup de choses, et il se fera piéger avec ces genres de questions. Et je crois que le procès se joue aussi d'une manière psychologique. Hein, pour gagner un procès, il faut d'abord connaître la personne à qui vous avez affaire. Et des questions comme ça, on va déceler certaines petites histoires qui vont pouvoir concourir, n'est-ce pas, à démontrer sa culpabilité. Ok, à quel point procédé vient de publier l'échec de la ville morte à Bukavu, appelée par l'interfédéral de l'UNC. Sur le plan politique, qu'est-ce que cela signifie? Parce que la ville morte appelée par l'interfédéral de l'UNC pour les 11 a échoué. Comment est-ce que vous interprétez ça sur le plan politique? Oui, ça a un impact négatif sur le plan politique, bien sûr. À ce qui concerne l'avenir de l'UNC, qui s'est dit que c'était un grand parti, un parti de masse au niveau de Kivu, eh ben, s'ils n'ont pas su à décréter, respecter la ville morte, cela signifie tout simplement que le peuple adhère au chemin qui est tracé, n'est-ce pas, par la justice congolaise, que le peuple n'est pas content de ça. Le peuple tient à tout prix savoir qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent et pourquoi on a détourné tout cet argent qui pouvait aider, n'est-ce pas, à l'achèvement
effectivement de ces ouvrages, de sauts de mouton, de maisons préfabriquées et consorts. C'est un échec, c'est un fiasco, je le dirais. Je ne pense pas, le peuple doit nécessairement être beaucoup plus mûr. J'ai constaté cela, se passe tout simplement en Afrique, parce qu'en Afrique, vous savez, le parti politique... Et ils sont d'abord, au départ, ils sont d'abord un parti politique en Afrique, d'abord il est tribal, hein, c'est-à-dire il est d'abord basé sur les liens tribaux, voilà. Et avant de devenir, un parti politique national. Mm-hmm. C'est là où il y a un problème très sérieux, parce qu'il ne faudrait pas que les gens se disent que Kamere, comme il serait de l'Est, et voilà, nous de l'Est, nous devons le soutenir, et oublier que le fait qui sont commis sont graves, mm-hmm. et cet argent appartient à l'État, et ces ouvrages-là, doivent bénéficier, n'est-ce pas, doivent être au bénéfice du peuple congolais. Mm-hmm. Ce n'est pas, à Kamere ou à Diamal et l'autre de détourner tout cet argent pour leur compte personnel, ce qui n'est pas correct. Le peuple congolais doit comprendre cela. Si le peuple congolais a confiance dans sa justice, dans l'état des droits, il doit permettre à la justice de bien se dérouler, d'éviter de faire des obstructions et des choses comme ça, de faire des marches, de ceci et de cela. On ne peut pas influencer, n'est-ce pas, la décision du tribunal. Mm-hmm. C'est pourquoi il y a le tribunal. Le tribunal, il est neutre, donc il départage les deux parties. Nous avons mm-hmm. la République qui est représentée mm-hmm. par le parquet. Mm-hmm. Nous avons la partie, le prévenu avec... les avocats, mm-hmm. et nous avons le tribunal qui est qui bénéficie, n'est-ce pas, d'une certaine autonomie dans l'exercice de leurs fonctions. Mm-hmm. Les juges, bien sûr, c'est-à-dire ils dépendent que à l'autorité de la loi, mm-hmm. ils ne dépendent pas de la République, parce que même la République dépend aussi de l'autorité de la loi. Oui. Donc tout le monde respecte la loi comme nous sommes dans un état de droit. Mm-hmm. Je crois que le peuple doit se calmer, être calme, doit s'apaiser, attendre que le procès se déroule, mm-hmm. Comme c'est un procès qui est... Oui, Roger. La ligne a un peu chuté, attends que Roger se reconnecte, nous sommes en train de parler du procès. Excusez-moi. Oui, allez-y, oui, la ligne est reprise. Cela permettra que le procès passe dans de bonnes conditions. Mm-hmm. Je pense pour ma part que ce qu'ils font, c'est pas conforme. C'est conforme. Ils doivent pas. Oui. Allô, Roger. Verser dans ce genre d'activité. Voilà. Voilà. Maintenant, ayant parlé de l'UNC, d'emblée, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de ces procès, d'une manière générale? Oui, mais d'une manière générale, à ce qui concerne l'UNC, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils vont s'en prendre à la justice, parce que nous sommes qu'au début. Mm-hmm. Les observations faites par... les avocats de leur leader, oui, ont été pris en considération. Oui. Mm-hmm. Je crois qu'à ce qui concerne la liberté provisoire... Là sont les élèves directs. Merci Roger. Excusez-moi, l'audience d'aujourd'hui, mm-hmm. c'était une audience... Oui, c'était une audience publique. Hein. Mm-hmm. C'était une audience publique. Mm-hmm. Ces questions spécifiques devraient être débattues au niveau de la Chambre du Conseil. Okay. Je crois qu'ils ne peuvent que être, satisfaits, parce que ils ont cette facilité, comme l'affaire a été déjà fixée au niveau du tribunal. Mm-hmm. Et alors, il y a certains documents auxquels ils doivent avoir accès, sont sur la table, n'est-ce pas, du tribunal. Ce n'est pas le PGR qui va leur donner. Mm-hmm. Non, qu'à s'adresser au tribunal, mmh, on leur donne ces documents, mmh. et cela leur permettra, n'est-ce pas, de préparer leurs moyens de défense, mmh. que l'on dise que réellement le procès est équitable. Voilà. Ce n'est pas bien que l'on dise demain que non, ça n'a pas été équitable. Voilà. Jusque-là, je vois que tout s'est bien passé. Mmh. La République est bien gérée, mmh. la partie défendresse est bien gérée, le tribunal est au milieu et a fait son travail pour répondre mmh. positivement à la demande de la partie de prévenus. Mmh. Merci beaucoup Roger, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons développer davantage, je pense, demain matin, quand on aura plus d'éléments, on aura les verdicts de la Chambre du Conseil.
là ne seront développés davantage en attendant les 25, les jours de la seconde apparition de Vital Kamerhe. Merci beaucoup, M. Roger Victor Moukeba, qui m'appelait depuis l'Afrique du Sud. Merci, Roger. Merci, merci, M. Blaise, merci à tous les internautes. Ok. Les amis, là, c'était Roger Victor Moukeba qui m'a appelé depuis l'Afrique du Sud. Vous savez, ce genre de procès, c'est un moment très important pour la vie du peuple congolais. C'est très important. Je pense bien que je vais vous revoir d'une minute à l'autre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en ligne qui voulait intervenir, mais je ne voulais pas avoir une émission en téléphone ouvert. Je voulais discuter avec Roger pour lui donner, qu'on parle un peu de ce procès, qu'on puisse tout en moi, Cathy, Namozindo, analyser comment les choses sont passées la journée d'aujourd'hui. Alors, en attendant, je vous laisse cette chanson de Ekanga Fils avant que je ne puisse entrer en contact avec mon deuxième intervenant. Alors, soyez scotchés, ne partez pas encore. Abonnez-vous davantage sur Africa TV Network et aussi sur Moukeba Studio parce qu'on a un petit problème technique qui ne nous permet pas de mettre à partir d'Africa TV Network. C'est pourquoi régulièrement vous me voyez sur Athènes, mais aujourd'hui je suis sur Moukeba Studio sur YouTube et aussi Facebook ou dans ma page Blaise Mukenge. Alors, les amis, soyez encore en direct. Je vais vous relancer d'un moment à l'autre. Ezali kambo li kambo nangele ki monene talatina va changer va numéro ya téléphone yanga li kambo le ki compliqué talatina ba boya ta ko kutana na kai bo ba sabato mokile. Si na même les camions à Balobi, na bengaye na Jérémie 33-3. Gana kozoye no. Heureusement pour nous. Pe akola ki sanga makambo oyonga na yebite. Bolinga batamo ki ne kaka tango possibilité pe ba moyen e jali. Kasi anza pa ki pana yete linga kanga quelque soit masumu na ngaye. Moi qui le tribunal et jugement, moi qui le salambe va batonyo so baboyo. Kasin zambalo bito ye panaye, nani kumba na biso, akope sa biso ne kope ma. Heureusement pour la baye, kope mes alliés. Nalanda yesu tope, nalanda nani. Nalanda masi a tope, nalanda batwa mokini. Bawe balinga kaka na intere. Iye solinga kanga atako na zamobola. Iye wana kasi na bolandati. Iye su kaka. Comme je vous avais promis, j'ai avec moi en direct d'Atlanta, Georgie, Olivier Mouchipai, qui va intervenir sur le verdict de l'affaire Vital Kamerhe. Ndeko, bonjour. Ouais, bonjour mon frère Moukeli Bonim. Oh, calme, est-ce que réaction par rapport à il y a procès, il y a Vital Kamerhe. Aux hommes, on a dit que jusque-là, on a dit que les gens ne sont pas en direct en TV. Ok, bon, réaction, on a dit que les procédures, on a vraiment. Premièrement, on a fait confiance dans la justice, dans mon IPENDA, non. Moi, pas, il y a changement dans le Congo parce que je suis vraiment banda Congo, ils sont là, Congo, tout le monde a. Mambabone et Salamate, bon. Mm-hmm. Alors, ça vraiment confiance qu'on a pour la sentir que notre justice est commis indépendante. Et quand même, parce que le peuple est pour, ils allaient diffuser Boué. Dans mon IPENDA, le peuple est d'abord, ils ont ça là. Alors, alors ça donne confiance dans la justice pour la moni moussa les autres qui est bon. On va promettre que non, le 25, on a dit que non, Mambo est bien pour Mbokawana.
oui, bien notre outil les canabai pour y avoir mensonge puis bah corruption, mais nous avons vraiment la confiance qu'il y en a et au les cas bien jusque là ils ont qu'ils n'en ont bien parce que Vital Kamerhe n'est pas landi n'est tout bien agréé pacificateur à canis qu'il y en a zala au deuxième en bébélé, mais la monisation c'est bon le cas n'a été pour n'a remarqué bah mensonge et bébélé au qu'il y en a azolo bah mambébélé sans contrôle non assez préparé qui vraiment bien été il fallait que zala assez préparé ma casse mais à l'ouki moi bah mensonge moi mais qui n'a évité sur tali à la page dans la bible photo mon bon bah télémina Jamal mais hier azolo bah qu'il y en a évité Jamal c'est le problème. Bah yokani ba mensonge mo bo vraiment o ezali mirte ya bana mike et donc ya satana ki na justice o ba mesana na ngo pendant 18 ans ya Kabila ezala ki ya keno si on to justice mo elande la makambute mais na bi keno ya mbalo yo akanga mido ye mo kwa mikangi kwa maloba na ye mo konde e okanga ye vraiment. Les amis, je vais vous rappeler que là, nous avons Olivier Mukipai, André d'Atlanta, Georgia. Si quoi, j'aimerais le dire que non, moyen ça te bat ton 1500 maisons dans 100 jours. À ça la raison besoin de tort. C'est bon, Jamal n'nga za wana omoni ndé na na lobby vraiment les bandelia qui non mensonge parce que Jamal va poser simple question, il est à répondre. Voilà. On y a bandina nous. Il a sali autant d'années na Congo aza mutumoro déjà fait qui a bandolo ba français bien. Omoni déjà les gens ça. À comment on a ba blague mobo que non té n'nga za wana ebelo té et place wana to moni jamais avocat mo roza na zo azo interpréter Jamal en soi-disant qui a raboya le verso. Voilà. Donc ils a déjà clic mobo ya lokuta o bazo présenter parce que tant azo lo ba que non. Bien va poser simple question a commis déjà pour s'agiter oh non n'engez en a obiloué comme au moins déjà dans les armes mensonges les armes blagues moraux baso salamoni qui est non bangonion so par au sou kamabe parce que Jamal ti a zopé sa réponse on a qui est non autant de maisons et pour salamani natawana pourquoi y a ndima qui contra wana so qui a yeba qui est non et au salamati parce que n'est qu'on ndima maramona pour la ni c'est que bango bali n'y a blagué chef de l'État n'engue pas voilà, mais ça voilà. Donc ils ont déjà makambo mobo oyo bango moko bazomi kangisa parce que soko yeba ki keno makambo ane aussi mbate il fallait pas on dit mais il fallait pesa date précise keno voilà. Et makambo yo ekozalabo donc bango ba accepta ki tant wana bango bazomona comme si président de la République aza mayel était travaux na ya 100 jours à Lansaki bazwa mbongo wana balia yango alors ninga za wana donc bakanga mbango parce que bah y'a pas qui vérité mais bah celle là qui a monté auparavant bah on va préférer qu'on tient mensonge liboso donc bah quand c'est que non justice n'a plus ses airs là là bah relié bah mon on a né bah mais ça n'a pas y'a pas présenté bah on a moi bah mon amiqué amiqué mais bah ce qui m'a bé y'a moi non mais bah toi Olivier bah toi bah que n'engue à Victoire Kamerhe Vital Kamerhe n'enga Congo là qui m'bongo de ma na vite rapidité on dirait y'a pas y'que qui se quête à Rome la 6 mois t'es 6 mois et belé mon amour le canaille bon changer régime bon moyen et l'homme ou les cas y'a on dit à Iba qui s'en garde des bateaux au bas aux moments des nini par rapport à point de vue on a ouais pour un point de vue on a vraiment et au monde parce que ceux qui n'a zoni mouké au moni un jour y'a nini y'a prestation jour où tu sais qu'il y a prétara serment et au moni l'homme ou les gars attends quoi qui voilà à quoi y'a qu'à bon n'est-ce pas on a et ça au moni va de l'homme sur ça la mara. Il y a un temps pour toutes choses. Nzambe a mekali do ezelo moi les gars qui ont trop spirituel surtout mes gars ont la place là. Au moment que non Vital Kamerhe n'nga zawana ye azaki ça la vraiment ezaki loko ba préparer qui bye bye que non tu sais que di bazo soit comme étiquette. Donc bango na kati ya siseki bazala ki ko s'attendre na sagesse oyo bazo mona zo kambelate. Donc bango de bazana ba satanda ki na ngote bango ba satanda ki na ba coalition na bango ba blo na bango ba sala ki ona ezana o makambu signé parce que soki to meki ozonga ta na ndenge ya sagesse omoni Joseph Kabila ezalaki la seule moyen ya kwaproche pe kozwa pouvoir parce que asali 18 ans na tête ya Congo batu nyonso basalaka makelele bangwanda banani banani basalela ngo musika mais voilà. Tshisekedi approcha ki wana eza sagesse moyen ya haut niveau parce que soto voilà. Tale ta na kati ya Bible omona ki na makambo ese le cas na Israel kala donc balobi ke non eza na dajo balobaka soko lingi o affronter ennemi na yo ou qui ne musika na yedi tout ça na pembeni na alors tu sais que il y a celle qui sagesse on a siko na Kabila na ba Vital Kamerhe comme les clans na bango bango ba yaki aux alentours na yedo ba so étouffer ba kanisega ki non ninga sa wana au kende sikate
pas blaguer naï. Vous savez, on Vital Kamerhe Moni a qui n'est qu'au se lancer dans programme on a 100 jours donc il y a ça là qui non azo non montant on a détourné on peut azo là qui non mutumo beaucoup et accompagner présent on a shit il y a rapide. Vous comprenez? Voilà voilà. Donc n'importe ça là qui en ce qu'on a minute sur ce qu'on ta réaction à Kamerhe donc au moins il y a ça mais ça n'a comme azo là qui président assemblée nationale pendant bah ne belé donc avant qu'il y a quand c'est que non ba juge on a basa ba même juge au que non qu'on bandeau ya qu'on imposer bango ba bilo moi miki miki au biso tout monde a reçu disant pacificateur mais un pacificateur c'est parce que ta geste mon côté ça on a donc Vital Kamerhe est vraiment les lois la qui s'y non azara na mai l'été ils ont des biso peuple congolais tout peut ça bango ba titre mon robot et oh ils aient un mot mais justice na biso vraiment na c'est pas les lois parce que na moni que non il y a la sagesse mais basa qui n'est étouffé donc comme président azongi seli bango pouvoir ou na qui non basa là baza la indépendant naza vraiment au sala ba en confiance et bien non procès oyo biso nyonso to recepela parce que oyeza na oka débit au moni justice il faut to comprendre za ba makamna ngwe sala donc banquette nyonso a pour so landi déjà na elobil na Jamal na Vital Kamerhe na ba juge na bango na ba nani ba foka na bango au comprendre que non ba sala qui vraiment ba sali plan mon boya bien te donné bazara na ba image wana ya ba, ya république ou tout les gars. Il y a corruption en mensonge. Mais la minute, on va coûter un lot. Très différent. Donc, attendez, il y a un peu de temps. Il y a un peu de place qui vraiment le coûte à la bien. Ou tu coûtes à la justice. Olivier, est-ce qu'avant de commencer à souka, il y a un développement qui est au niveau de Bukavu, il y a INC, il y a 5 idées, ville morte échec. Donc, Batabouka, vous basengi ville morte. Ville morte, mon c'est l'échec. Isaac, cause y a ni ma Vital Kamerhe. Pour Vital Kamerhe, oui. C'est quoi Batoua interfédéral à UNC? Basengi ville morte, ça la main. Ville morte, mon échec, quoi Batoua respecté, Batoua maman normal. Batoua maman, on va se la tous les jours. Balanier le quoi naté? Ouais, le problème est à boy. Au moins, problème y a biso peuple congolais. Sur l'anglais, sur Makambo, on y a so. Oya comprendre que non. Biso ba congolais toujours à la victime y a Makambo moro boy. Ils ont un clic y a battu au baso sakana na tête y a pays na biso. Parce que au moins, Congo on y rose à la prise en otage de na clan y a battu au zoo kaba tambo et Mwamba, ba Vital Kamerhe, ba Joseph Kabila. Donc clan y a battu moro boy et tout type tout type place ba tout type tout pays si bango pouvoir. Alors biso ba congolais na minute so moni ata ba rejeter loko na pona ngana osepela parce que ba congolais ba komi ko comprendre o moni na ko ebselo moko ya un temps pour toute chose o moni na ze problème a Congo ngana na mona ngo Congo eza pays moko fort alors so ro talinet histoire tozonga muke na ba histoire o tali ata ba histoire ya ba France o tali ata ba histoire ya ba pays belé tozongi na kata bible o mona ke non il y a 20 ans nzamba lo babo so ki population bazo tambola bien te donc bien te veut dire que nos corruption mambe belé le ki amabe nzambe a la chara population na akoti na ba étranger ba diriger ba mais atina ba étranger wana pour di bonté et ça la rapport na tambo bo so ki population na a comprendre ozo on prendre que non bazo kamba mambe au moins nzamba ozo c'est la bon mara mieux donc nga na comprendre que non exactement o nzamba linga azongi sa dynastie ya ba congolais na maboko na bango ba mikamba donc makambo e kosukate c'est ce monde en parce que peuple congolais parce que ça na bon mutu il ba milliards de dollars na mboka na aya kabeli 100 dollars pour bimisi na balabala ba bete masasi ba sala ba lokuta na mosko peuple congolais comment comprendre que no isa distraction ya ngoso monde attaque no batu ba telemeli et loko wana que non non et aussi mbate parce que nyonso so otali est ma amour spirituel parce que nzambe communauté ya nzambe on y peuple congolais na oloba bobo ba wala na directo voilà il faut toi ba que non biso toza la prophète mo to lo ba que non tozo chele mo tema to prophète wana to ndi makaye makasi prophète kimbangu ba to nya so ko landa ba comprendre que non kimbangu apesaka révélation mo robo apesaka prophétie lo bi que non 5e président na 5e république ya Congo il y aura quelqu'un o akoya o zala compon donc akoya kaka ko aligner makambu ba nozo ba déjà na droitire et puis ba to ba accompagner ba ko accompagner ba président ba koya Congo et ozonga vraiment na temps normal alors peuple congolais nyonso oyo azana mémoire vrai tout bosana makamka facilement dit tout pesa Félix Tshisekedi di confiance tout pesa justice d'amour confiance et ba congolais partout tout longo lao INC o so ki FCC di o nyonso ebi ke noza congolais on a intérêt ya mboka tout simamo konza mboka na ba
donc na ba vision moko claire peto simba na mabongo parce que soit ozo continuer ka bo mutu mo boya ibi ba milio tala net mambo ezole ka ba réseaux sociaux banda ba prosu bandi tala Vital Kamerhe na tamukeo tala banda ko zo tonga tala ba Daniel Massaro na tala ba mambo ezole ka mi de konso na mbongo oui oui les congolais to ko zo conscience quand OK mon biso to ko sala mboka na biso mo justice donc to ko pesa confiance na mo continuer biso justice na biso gena mambo ezonga donc ils atteignent Nzambe peuple congolais pas comprendre vraiment nga na zo sepela nga ti jusque là na zo sepela na mambo ezo leka na Congo parce que ezabilo mona no salama te pe ata a on États-Unis place tozali na yebi ke non ba ba te belé il y a beaucoup des investisseurs mambo belé o bazo zela ba mona clarité na mboka parce que mboka na biso na ezala mambo belé o salama ba paso banga parce que justice e koma na ba poche a bat mambo bo salama te donc pona nga eza pa mombo munene ti jusque là na yebi ke non et qui n'est bien vraiment na sepeli na bato ba boyi ba rejeté appel à INC wana ko ba bima na bala bala vraiment ba comprendre que non Congo est ba congolais Congo est ali ya clique ya bato mongo te ko bando sa cannabis. En tout cas, ce pays est un intouchable, c'est une très bonne chose. La question, c'est comment avant de se séparer, c'est moi na bato j'ai bien pena makambo yo moi na bato tala kaka. Ba c'était comme on est na tribunal. Ils ont pas ça bien té. Ouais, au moins, ce qui est bah comme ici niveau cité moi la JBM bien parce que na zaro landa makamo na landa kempe moi bah makambo zo le ka ba bosolo na politique na landa ka nani Christian Bosembe na zo landa ba nanis na bobo boni Vital Kamerhe est paré très mbongo o azwa ki wana a meka ki ko luka ko panza yango na ba nenge mo bobo nenge moi la JBM sa cité na kati wana ezali pe buzo ba la cause lo ba kenon ezali lo koso to buzo ba ya mama na mama parce que mama na il fallait pas akende ko koti sabana na ina mambo parce que moni wana ezaba denye public ezam mbongo ya ezam mbongo ya Congo ezam mbongo ya kesa l'état donc nenge za wana ba investigation ezo sala ma mbongo wana partout nenge ba panza ki yango donc il faut balandela yango comme yepe parti kota ki wana donc ba kangi ete ba cité kaka yenenga za wana ezaka elo moya ki no ba transaction sala ma ki ba grand montant ni sala ma ki ke non ba transaction na combo na ezaka ba bilo mombo ke non ba mbongo wana fo ezonga ozo mona isaka balande lango donc ngana osepe la disis ke la ba investigation ezo sala donc au moni nan bakangiete mona jibe bakangiete saka ba cité parce que mama na ye mutu atangie oui na la bongo ezaki lokoso o esali ke no bazo l'état ba bando panza yango bongo ba ko ko s'enrichir na niveau wana te donc ezam normal ezam na ngaka justice o pesa justice confiance bongo wana donc bazo cité batu nyonso bazali lié na kati ya corruption wana donc mona wana nenga za na za lo rwande balo ba ke no ani na eka ke no isa eloko moyibi epe komele parce que ko kay ko profiter soki makambo moi système ba arreta kango te to ba comprendra makambo te ezala na niveau justice ali ngaka za l'interpeller te ali ngaka zo mbongo na pe linga ke bénéficier bon comme déjà c'est comme na niveau wana isa ka ke no a ko répondre soki ba za na besoin na mbongo wana e koma konde ni ni uta ki wapi do ezama mo normal ba to ba intervenir ba interpréter on anenga mabete to pe sa justice na biso confiance parce que bango ba bi musala bazo sala donc mutuna muto moni Congo ya lelo ezo singara ke non mutuna muto e ba limite na e to koma ba juge te la place ba juge to tika ba juge ba sa musala na bango parce que eza musala na bango na e bi ke non yo leka bien c'est tout ce que moi qui na compte ta caméra écoute dans compte na on a des problèmes mais ce que ka e o na compte moko boye azardo ya kolo ba ke mo mo ko linga na bolingo c'est ko pour nandi maye asalinga ba kado. C'est ça, ce qui donc au moni ils ont la justice, ba robenga, au moni justice ba benga raso ba bengio ba moni que non se défendre bien, ba tikio c'est ça. Ben ce qui que non ils ali ba chez na bango parce que na oka ba msu na ro bon na ko kota ma msu to to oka que non ils ala ba chez na bango ba so so ba mbo na ba so sakana na ro bon oh to ko kota msika te mais so ka se justifier ils ont normal mais ce qui a ko se justifier te ouais mbo ma l'état ba so ngisengo parce que au moni Vital Kamerhe wana mutuana babenga ke pacificateur o e consomme mai les ate parce que basala ba blo na ba on sans sagesse problème ezaki no basi ba mona ba peuple congolais zoba aibi ke no peuple congolais za ki zengi moko bo to ko sakana na ba mona ko yiba e na ye na yibi mbongo wa moni yango na zu yango ale na kabele $100 asali makelele donc na minute vraiment pona ngana sepeli ninge ba investigation ya réseau sala mon tiba koma na niveau ya ko détecter que non mbongo elongwe ko tati na na compte moi na JB ko so comprendre et ça vraiment musala munene dans musala moi bien makasi ngana on se pela bongo ba enquêteur on va continuer vraiment ba lande la ti dala rande ba détecter ki ba Daniel Massaro ndi ba komo sakane ko so do ça bien pour nanga ça bien makasi ba mon soka ba répondre et bazon sa mon wa l'état c'est ça. OK, merci beaucoup Olivier Mouchip. Ça c'est Olivier Mouchip depuis Georgia en Atlanta, merci.
vraiment merci de vous la CPL Makasi, la CPL émission au courage et belé continuer bon vraiment couper ça abisso moi bah update pe koza na souci mboka nzambe vraiment azala na yo donc azala na chaîne na yo et kenda liboso liboso toza na pe na simana au couper ça support vraiment toza en ensemble la CPL. OK, merci. Merci. Les amis, ça c'était Olivier Mouchipai depuis Georgia Atlanta. C'est un ami de longue date avec qui nous avons essayé de comprendre le Camera Gate comme l'affaire éminente en justice. Pour à titre de rappel rapidement, le procès a été reporté au 25, je pense c'est un lundi. Donc je vois le calendrier, voilà. 25 c'est un lundi, voilà, lundi dans pratiquement deux semaines qu'on va rappeler à le procès. Maintenant, quand quitte à liberté provisoire, et bien à noter si bah, on peut sa caméra liberté provisoire ou pas, parce que jusque là, tout ça c'est la chambre du conseil est statuée, hein, le coup là, procès bandit quoi, si on peut sa liberté provisoire ou pas. Et puis vous signalez que niveau il y a Bukavu Kuna, marche Moro est fouté, marche on est échoué, il y a une caméra, bah, ben si marche à Kafu Kafu po, marche Témé, plutôt journée ville morte, n'engue à. Et une série de bandeaux Singapour, banda Congo, banda Mutabanda, ba ville morte, champion d'Ango, c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba, de Yemutu champion ba, y a ba bilokwana ba marche, bilo nyonso mbuyebi ba marche ba nini ba ville morte. Alors Nabuka wa Singaki, ibeta ki poto, alors ne lokona ngena snelebino, alors to komina suka ya retransmission ya mukolo lelo. Je pense bien que, bon, pas pour la journée, quoi. Dans plus tard, dans 2h, 3h ou 4h du temps, tout sera après-midi aux États-Unis. Je suis dans le live de Soussou, au Toko Beta, mon Bakati, je invité à Nangaï, je suis à Vieux-Bertin, depuis Dallas. Je suis allé à la mission souvent en Swahili, mais je à Kobe Tango, na Lingala, pour tout parler sur la conséquence, il y a des bio à faire, ou il y a. Il y a caméra. Alors, tous mes amis qui me suivent sur ATN, Africa TV Network, dès que l'émission est ici, je vais transférer en Africa TV Network. Tout ça, c'est un problème technique. Je vais en ATN et ça, mais c'est absolument mal à FT. Alors, c'est pourquoi nous sommes dans la chaîne Nanga Moussousou, Moké Ma Studio. Il y a un tout, il y a un gars. Bon, s'abonner, pé, bah, tout, vous mettez dans la mission Nanga. Bon, s'abonner, pé, dans Moké Ma Studio. Il y a un gars. Bon, ATN, il y a un Moké Ma. C'est la même chose. Bon, s'abonner, kaka, protocole, ensemble. Alors, dès que le problème est résolu, informé. Alors les amis, merci beaucoup pour la colonangaï. Pour tous se séparer. Au revoir, on se voit plus tard. Likambo. Narobi, hein? Ezali kambo li kambo na ngele ki monene talatina va changer va numéro ya téléphone yanga li kambo le ki compliqué talatina ba boya ta ko kutana na kai mpo ba sabato mokile. Kasi na meme lika monza balobi na benga yena Jérémie 33-3 nga na kozwa yeyano Eresma puna nga yeyano pe akola kisanga makambo oyo nga na yevite bolinga batamo kini kata tango posibilite mpeba mwaya ejali kasi anza baki pana yete alinga kanga kelke swa masumu na nga yeyano. Moi qui le tribunal et jugement, moi qui le salambe va batonyo so baboyo. Kasin zambalo bito ye panaye, nani kumba na biso, akope sa biso ne kope ma. Eresma pour la baye, kope mesali. Nalanda yesu tope nalanda nani. Nalanda masia tope nalanda batwa mokini mbawe balinga kaka na intere
Yesu alinga kanga atako nazamo gole Yonaka sinagola nati Yesu kaka Yangali kambole kimo nene Talatina babo ikutuko yamba telefone Babo iku Yangali kambole kikomplike Yangwa sala kama kambole kela kabato Yes Yasili sabata likamole kima yamba yele Yakoti saka lobo kole yata na patoboto Na salite esika yamba yele Kusumu anga na makila maye Oh, ne voulez-vous vraiment? C'est mon lalo boko. C'est mon lalo boko. Sembola loboko na yo na ngambo na nga ye Sembola loboko na yo na probleme na nga Talamba tamokili, babo ina bangonga Mbata mokili, balingi kutuko yo kalika mona ngate onga na kachwe Ibembe vrema Sembola loboko na yo bana vitike bazali kolela Sembola loboko na yo bako fela mima ima kota lela